caches-tu dans ton cœur? Je veux voir l'ombre sous la lumière. Que caches-tu dans ton cœur? Je veux voir la couleur de tes yeux. Reste et permets-moi que je chante un peu. Est-ce que tu sais ce que tu veux? Que caches-tu dans ton cœur? Je veux voir l'ombre sous la lumière. Que caches-tu dans ton cœur? Je veux voir la couleur de tes yeux. Cheveux. Que caches-tu dans ton cœur? Je veux voir l'ombre sous la lumière. Que caches-tu dans ton cœur? Je veux voir la couleur de tes yeux. Que caches-tu dans ton cœur? Je veux voir l'ombre sous la lumière. Que caches-tu dans ton cœur? Je veux voir la couleur de tes yeux. Caches-tu dans ton cœur? Je veux voir l'ombre sous la lumière. Que caches-tu dans ton cœur? Je veux voir la couleur de tes yeux. Quand tu es prête, viens nous rejoindre sur le plateau. Tiens, regarde, je t'en prie, je te laisse t'asseoir ici. Le micro, le saint micro. Merci. Je t'en prie. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour ce nouvel épisode de Culture en Haut, le magazine culturel des jeunes artistes émergents des Hauts-de-France. Alors aujourd'hui, nous nous retrouvons à nouveau dans le palais d'art déco de la ville de Saint-Quentin pour y accueillir Anne du groupe NA. Alors, je ne sais pas c'est si ça. Tu préfères que je t'appelle par ton prénom ou par le... Ouais, mon prénom, scène. C'est bien. Anne. Ouais. D'ailleurs, bah, merci déjà pour cette introduction musicale chargée en émotions et en poésie. Merci. Bah, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les chansons que tu viens de nous jouer? Eh bien, la première chanson, c'est une chanson qui s'appelle Miaou, comme vous avez pu l'entendre. On a supposé, ouais, effectivement... C'est une chanson qui est assez simple et c'est une chanson où je n'utilise pas le looper. Je l'ai utilisé et je ne l'utilise plus parce que voilà, j'essaie aussi de me détacher un peu de cet outil magique. C'est une chanson qui parle voilà, de tous ceux qui attendent l'être aimé à la maison comme des petits chats ronronnants. Et puis la seconde chanson, c'est une chanson que je joue depuis très longtemps aussi et que j'aime toujours jouer. Pour l'instant, je ne m'en lasse pas, donc... Du coup, je voulais jouer. Donc, deux chansons voilà. Que tu as écrites, oui. Instrumentalisées et que tu joues depuis un petit moment peut-être déjà. Oui. D'accord. En parlant de ça, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené à découvrir le violoncelle et à te passionner pour cet instrument? À vrai dire, pas grand-chose. C'est-à-dire que mes parents m'ont emmené au conservatoire pour que je choisisse un instrument et que ma copine Maïté passait là et je lui dis « Mais toi, qu'est-ce que tu choisis ?» Et elle me dit le violoncelle. Je dis, ah bah moi aussi, du coup, je vais choisir le violoncelle. Voilà, c'est pas. Il n'y a pas d'histoire. Il n'y a pas vraiment d'histoire. Je suis très contente d'avoir choisi cet instrument parce que je l'adore. Mais voilà, ça se passe dans les couloirs du conservatoire quand on a 5 ans et demi. Quoi. Et du coup, c'est... je suis contente de ce choix. Oui. Voilà. Bah, si tu me dis que ça remonte à l'âge de 5 ans et demi, c'est que ça fait quand même une belle histoire. Bah oui, c'est vrai. Depuis tout ce temps.
Justement, je me posais la question, puisqu'on en parlait tout à l'heure, alors je ne sais pas comment le qualifier, la chanteuse Na, d'où vient ce prénom? Est-ce que c'est un diminutif d'Anne, peut-être? C'est le verlan de Anne. Voilà. Voilà. C'est mon côté hip-hop. Il y en a qui s'appellent Sefiu, Arimka, Drixé. Voilà. Mais bon, moi, c'est Anne, c'est Na. C'est plus simple. Voilà. Comme exactement. Ça, on ne s'embête pas avec des syllabes complexes et alambiquées. Tout à fait. C'est le côté un peu droit au but, simplicité, efficacité. C'est un peu mon mot d'ordre. Qu'on ressent très bien dans tes chansons, d'ailleurs, cette simplicité et cette poésie douce. Oh, merci. Je t'en prie. Puisque nous parlions de tes chansons, est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur ta manière, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ta manière de composer les morceaux? Comment est-ce que tu calibres un peu ton processus de création par rapport à ça? Eh bien, ça dépend un peu, mais comme je vous l'avais dit tout à l'heure, j'ai beaucoup travaillé avec le looper et je travaille encore avec. Est-ce que tu peux peut-être juste préciser pour les gens ce qu'est un looper? Un looper, c'est une machine qui permet de s'auto-sampler, sampler et de faire tourner en boucle ce qu'on veut. Et c'est vrai qu'en étant en solo, c'est un outil plutôt intéressant. Mais après, effectivement, il y a aussi le piège de ne faire que ça et de ne jouer qu'avec des boucles. Et j'ai eu l'impression d'être un peu tombée dans ce piège. Et j'essaie un peu de m'en libérer. Mais en tout cas, quand je compose, c'est la musique qui vient d'abord. Et ensuite, je scatte un peu dessus, je vocalise et puis j'essaie de mettre un texte qui a du sens. Des fois, ça vient instinctivement et puis des fois, non. Et du coup, je ne cherche pas à aller forcément plus loin. Il y a aussi beaucoup de chansons où je n'ai rien à dire. Et du coup, je ne dis pas de mots, mais je chante quand même. Et du coup, ça reste des chansons, mais ce n'est pas vraiment des chansons à texte, quoi. Je n'ai pas grand-chose à dire. Du coup, tu dis miaou. Du coup, je dis miaou. Voilà, exactement. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur tes inspirations? Parce que effectivement, en t'écoutant, dans nos têtes, on a plein de noms d'artistes qui apparaissent parce que on sent qu'il y a quelques inspirations. Mais peut-être que toi, tu peux nous en dire un peu plus sur ça. Ben, j'ai pas si vraiment d'inspiration des artistes qui vers lesquels j'aurais tendance à me rapprocher ou. Je ne sais pas si j'écouterais ce que je fais si je n'étais pas moi, en fait. Ce n'est pas du tout ce genre de choses que j'écoute. Et du coup, mes influences sont... C'est plutôt hip-hop, c'est plutôt jazz, c'est plutôt musique du monde. Voilà, la musique classique aussi, bien sûr. Et puis, la musique électro. On me parle souvent de Camille, et c'est une artiste que j'ai quasiment jamais écoutée. Mmh. Mais du coup, je suis flattée qu'on me fasse ce rapprochement. Mais on te compare. Voilà. Mais c'est pas, je suis pas inspirée par des musiques qui pourraient ressembler. Donc dans un sens, en fait, ça te vient assez naturellement. Voilà. En fait, il y a pas vraiment de lourds questionnements pendant semaines. Pas du tout. Est-ce que tu aurais des mots, des termes, des adjectifs pour qualifier un peu ton style musical? Ben, pour moi, c'est une musique un peu qui est assez simple, en fait. C'est simple. C'est simple, ça reste assez acoustique. Et puis, il y a le côté violoncelle, mais je n'ai pas l'impression de tomber dans le cliché de ce qu'on peut faire avec un violoncelle. Souvent, quand je dis que je fais du violoncelle... on s'attend à des choses plus classiques, quoi, avec l'archet, etc. Alors que là, c'est pas le cas. Et puis, il y a beaucoup de scat aussi dans ce que je fais. Et beaucoup de... Voilà, des onomatopées, des... C'est oui, plutôt d'influencer. On sent effectivement quelques influences jazz, comme tu le disais, dans la façon de jouer. Et comme tu le disais, dans les onomatopées... je ne sais plus comment ça s'appelle, les deep doop, doobody wap, voilà, c'est ça. il y a un petit côté un peu comme ça. Ouais. Bah, moi j'aime bien du coup s'affranchir aussi un peu du texte, et puis des fois quand on n'a rien à dire, ben ça sert à rien de d'en mettre trop si on n'a rien à dire. Voilà pourquoi tu me regardes dans les yeux. Non.
Donc toi, tu habites pas très loin de Saint-Quentin, oui. C'est ça ? Est-ce que tu as des structures qui t'accompagnent dans tes créations, qui te permettent de jouer, qui se chargent un peu de la diffusion de tes œuvres ? Eh ben, j'ai eu la chance d'être accompagnée par la Manufacture en 2019 sur la première saison de Stéréo In. Enfin, de stéréo, et du coup, il y avait deux stéréos. C'était Stéréo In, donc ils m'ont bien aidée. C'était vraiment une année où j'ai pu avoir un soutien, avoir des retours, des critiques très positives. Et puis, j'ai pu enregistrer, j'ai pu jouer aussi. Et puis, il y a eu cette soirée de clôture du dispositif à la Manufacture. Du coup, c'était riche en émotions. J'étais ultra stressée. C'était un concert assez particulier, mais c'était sympa. C'était très sympa. J'ai passé vraiment une bonne année en leur compagnie avec Cédric Barret. C'était vraiment super. Il est très gentil. D'accord. Et donc, cette année a un peu servi de tremplin à potentiellement d'éventuels projets futurs. Ben, ça m'a permis de rencontrer aussi d'autres groupes qui faisaient partie de ce dispositif, notamment Outcube, qui est basé sur Saint-Quentin. Voilà, trois super gars ultra cool. Et voilà, ça fait toujours plaisir de rencontrer des gens sympas, qui n'ont pas un égo démesuré et qui sont bienveillants, quoi. Qui jouent pour le plaisir de jouer et non pas pour devenir des stars. Voilà, exactement. D'accord. Mais donc cas, effectivement, ouais. Oui, ce sont des gens avec qui tu t'envisages des projets futurs. Ben là, on a pendant le confinement travaillé à distance sur un espèce de featuring. Donc j'ai fait ma part. J'attends qu'ils finissent le truc avec impatience. Et pourquoi pas, voilà, se voir et puis faire un morceau. Enfin, faire ce morceau en tout cas dans des conditions plus pro et puis faire un featuring là-dessus. En tout cas, voilà. On a hâte de voir le résultat, ben de ce que ça peut donner. Est-ce que tu aurais des lieux culturels qui t'inspirent plus que d'autres, ici, soit dans la région de Saint-Quentin ou plus globalement dans les Hauts-de-France ? Est-ce que tu as des lieux que tu fréquentes habituellement ? Il y a la Manufacture. Et puis, à Laon, il y a un petit bar sympa qui ont une grange à concert derrière qui s'appelle L'Alternative. Je ne sais pas si vous connaissez. Personnellement, non. Et ben, c'est deux personnes, c'est Jean et Sabine qui tiennent ça. Et c'est vraiment des gens extraordinaires. Ils sont super gentils. Et les concerts là-bas, c'est toujours dans une bonne ambiance. Et c'est peut-être le lieu de concert à Laon. Il y a le Gibus aussi, qui est très sympa, avec une belle scène. Et puis, il y a Louis qui s'en occupe et qui cherche aussi à développer le côté culturel, faire vivre un peu faire vivre la musique. Faire vivre le lieu d'une manière globale, ouais. Artistiquement globale. Voilà, d'accord. Pour ce qui est à Laon. D'accord. Et du coup, les chansons que tu as enregistrées, est-ce que tu les as enregistrées ? Est-ce que tu prévois des sorties d'albums, de CD ? Donc, si tout se passe bien, Inch'Allah, pour l'automne, normalement, il y aurait le premier EP qui sortirait. D'accord. Donc là, j'enregistre dans 3 semaines. Et c'est déjà un gros événement parce que c'est beaucoup de travail de préparation et puis d'anticipation. Donc il y aura sans doute à confirmer, mais c'était en cours avant le confinement. Et une petite date à la Manufacture, à Laon, à la Malle, et puis peut-être quelques petites dates sur l'île aussi. D'accord. Voilà. Du coup, où est-ce qu'on peut te voir peut-être prochainement, dans les semaines à venir, mois à venir ? Est-ce que tu as des endroits où tu comptes te produire ? Peut-être. Là, pour l'été, pas trop. En revanche, on joue dans un festival le 12 septembre à Stanford. Ça, c'est dans le Nord ou dans le 62, je ne sais plus. D'accord. En fait, on a monté un collectif de femmes solistes, artistes des régions Hauts-de-France, principalement basées à Lille, qui s'appelle le collectif TFTF. Mmh. Et donc, il y a toutes sortes de femmes dans plein de domaines différents. Et du coup, on va pouvoir participer tout ensemble à ce festival. D'accord. Et puis, je devais jouer à la Lune des Pirates aussi en mars. Donc, ça a été reporté normalement en septembre. Je n'ai pas eu de confirmation pour la date. Donc, c'est pour Bruit de Lune, un mercredi soir. Voilà. Et puis, ensuite, ce sera l'automne. J'espère des dates à foison. D'accord. Donc, la Lune des Pirates, qu'on précise, qui est à Amiens. Voilà. Tout à fait.
On peut te retrouver, j'imagine, très facilement sur les réseaux sociaux. Peut-être que tu as des oui. pages, un site internet. J'ai pas de site internet encore. Il y a une page Facebook, une page SoundCloud. Avec l'accent. SoundCloud. Et un petit Instagram, mais qui n'est pas très alimenté. Et puis, une petite page YouTube aussi. Voilà, sur Facebook, c'est difficile de trouver parce que N.A., c'est tellement... Il voilà, oui, faut aller chercher. Choses, voilà. J'imagine. Mais sur SoundCloud, c'est Na Solo Cello. Et si on tape ça, normalement, sur Google, ça, les pages sortent. D'accord. Voilà. Bon, de toute façon, dans la vidéo, on mettra bien sûr tous les liens en description, okay. Aussi bien sur tes réseaux sociaux que sur la page SoundCloud. Ben, en tout cas, merci. Merci à vous. De ta présence ici, de ce concert un petit peu intimiste, mais qui est vraiment génial. En tout cas, j'espère que l'équipe technique a apprécié. Merci. Je te dis à la prochaine et très bonne Ça continuation marche. Pour toi. Merci à vous. Un grand merci à la ville de Saint-Quentin qui nous a permis de tourner dans ce magnifique lieu qu'est le Palais d'Art Déco. Nous souhaitons aussi remercier la manufacture ici même de Saint-Quentin, ainsi que les services de la DRAC des Hauts-de-France. En tout cas, nous vous souhaitons une très belle journée et espérons vous retrouver très prochainement pour un nouvel épisode de Culture en Haut.